Ah bah tu commences bien toi, t'as failli nous faire cramer. On se met en place, on tourne dans 30 secondes. Silence, moteur. Ça tourne. Et action. Aujourd'hui, Jean Narumi, 33 ans, ancien PDG de la firme Transair, vit dans cette forêt tel un sauvage. Il a décidé de se déshumaniser pour revenir aux sources primaires de l'homme. Après tout ce temps passé en forêt, il vit toujours dans cette cabane, pas plus grande qu'une niche. Il se nourrit uniquement de graines et d'insectes. Et comme vous pouvez le voir, par rapport à son apparence malpropre, ses douches ne sont pas régulières. Aujourd'hui, hein, au carré. T'inquiète, on a bientôt fini. Un truc comme ça, si on lui faisait manger un truc bien dégueu, qu'il soit malade, très bien pour un con, le gars. On va pas faire ça, c'est horrible. Oh, ça va, hein. Maintenant que t'as décidé d'être là, tu vas pas faire ta chochette. Hein. Bah alors, on veut faire copain-copain avec 15 ans? Allez-vous-en.
vous allez faire ces dégâts comme ça. Parez-vous de chez moi. Casse-toi là, tu veux le voir le sauvage. Arrêtez, ça sert à rien. C'est bon, vous avez ce que vous vouliez. Votre putain de reportage. Regardez ce que vous avez fait de chez moi là. C'est chez moi ici. Maintenant vous dégagez. Allez, on se casse, on a tout ce qu'il faut, laissons-le m'enfler ses glands.